Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de We Happy Few. Dans la session précédente, nous avons répondu à maintes et maintes requêtes de la part de nos amis les sorcières. Et nous est désormais demandé d'aller trouver de l'huile de foie de morue. Ah ça y est, le bébé est décassé, on peut à nouveau changer sa couche. Ce qu'on ne pouvait plus faire à la fin de la session précédente, ne me demandez pas pourquoi. Le bébé était cassé. On nous disait oui, il y a une jauge rouge, le bébé va pas bien, mais à côté de ça, on pouvait pas améliorer la santé du bébé. C'est beau la modernité. Ah bah excellent. Ça va bien là. Donc, on a le nourrisseur automatique, on a aidé les sorcières, et maintenant il nous faut de l'huile de foie de morue, car notre pauvre petite bambine s'est retrouvée totalement malade, prise de rougeole. Mais c'est totalement rangé ici. Tout rangé. C'était le fourbi hein, à un moment donné aussi. Donc, il faut que nous allions du côté de Anton Verloc à l'usine de joie afin de nous occuper. Je regarde juste en même temps au niveau de l'inventaire. On est bien, on est à 38 sur 150, donc on est pépouze. Il faut que nous allions donc du côté de Anton Verloc pour récupérer de l'huile de foie de morue afin d'aider la gamine à aller mieux. Sauf que, on sait très bien que l'on ne l'aura pas, cette huile de foie de morue. On est d'accord qu'on a la capacité... rien à voir ici, donc le couvre-feu, on s'en fiche. Remettons la carte, il faut qu'on aille par là. Pas de souci. Donc oui, on sait très bien qu'on l'aura pas, car dans l'histoire de Arthur, hein, le premier chapitre du jeu... On a dû faire toute une série de quêtes et mener une enquête totalement extravagante et extrêmement intéressante. Je pense que c'était ma partie préférée de la campagne d'Arthur. Hein, le moment où on a commencé à mener cette enquête dans à la fois l'usine de joie, les égouts et ainsi de suite. Pour chercher l'huile de foie de morue au final. Donc, étant donné qu'on doit aller chercher l'huile de foie de morue pour Sally dans la campagne de... Arthur, on se doute bien qu'on ne l'aura pas avec Sally, sinon on n'aurait pas de raison de la demander à Arthur lorsqu'on va revoir Arthur. J'espère que vous avez suivi. Ah, on a un petit souvenir par ici. It's advanced maths and chemistry. One of the German scientists is teaching it. We're not paying extra school fees for something you'll never use. That's too bad. All the brightest boys are taking it. The ones from the best families. And I'll need help with my homework. And we'll get to know each other. Oh, for once, you're talking sense. Maybe this once, we can scrape together some money. If you can talk your way in. He already said yes. Imagine my surprise. Sally qui s'est toujours trouvé des bons plans. Hein. Hello, it's Sally. Sally Boyle. Can I come in? Allez, s'il vous plaît. Righto, ma'am. I'll get the door for you. Ah, c'est bien, on n'a pas besoin de carte de presse ou de machin bidule là. On est tranquille, pépouze. Miss Boyle, what a nice surprise. We haven't seen you in quite some time, have we, Constable Whistler? Indeed, we have not, Constable Layton. And may I say, Mom, you've brightened our day. Like Blackberry Joy. What would we do without our Blackberry Joy? And we thank you for it, don't we? I must say, Dr. Verloc is not equally thankful, seeing as you have become his primary competition. And he nurses a broken heart. Hell hath no fury, as they say. Are you quite sure you wish us to announce your presence? Please. Dr. Verloc, sir? I said no interruption. Dr. Verloc, sir, there is a young lady who wishes to see you. You'll have to be more specific. You place me in a quandary, sir, as you have expressly forbidden me to speak her name on any account. Sally. Hi. Bonjour. Come crawling back, have you? Please don't hate me, Anton. Oh, no? I teach you everything I know. You steal my notes. They were my notes, Doctor. You steal my business, and you have the nerve to come back here. You locked me out in the rain to teach me a lesson. And then you replace me with Bing. Anton. We were so close to
cracking the isometric structure of the new molecule. I suppose you cracked it on your own after you left, didn't you? Doctor. Your Blackberry. Doctor! I don't care if the General's protecting you. You've gone too far this time. Sergeant, arrest her. She's a thief. Don't let her get away. I am sorry, Miss Boyle. Perhaps you had better... Yeah. Of course. Oh, ils sont sympas, ils nous ont pas arrêté direct. Fuck. Why do I get cod liver oil now? Oh, ils se mettent même au garde à vous et tout. Oh. Wait. Merci les gars. Arthur. He was always so good at finding things. If he can survive the Garden District. He was so mad, but. He could never stay mad at me for long. Not after he told me off. On va visiter Arthur dans le quartier des jardins. Mais c'est pas dans le quartier des jardins qu'on va le voir. C'est dans l'appartement de Sally. Donc on sait qu'on y va pour rien. Et en plus de ça, on répète, mais vu qu'on n'a pas l'accès à la trappe ici... l'accès à la trappe ici, est-ce qu'on l'a ou pas? Lui, je sais qu'on l'a pas. Lui, on l'a peut-être. Faut qu'on aille où, là? Si. Parce qu'on y gagne beaucoup. Ah, mais il y a une trappe, là, aussi. Mais il n'y a pas d'abri. Il y a des trappes où il n'y a pas d'abri. Quand même étonnant. Du coup, j'hésite à aller dans une trappe. Voir si je peux y aller, mais je pense pas que ça va marcher. Je pense que c'est un piège. On en a une juste à côté. Je m'en voudrais de pas faire le test. Là, elle est bleue. Là, elles sont dorées. Là, elles sont bleues. Et là, il y en a deux. Ça n'a aucun sens. Ah, mais il y a une légende. Trappe de voyage rapide. Oui, mais quand c'est doré, ça veut dire quoi? Merci de la légende, quoi. Énorme. Tellement content. Bon, on va regarder. Hein. Moi, je parie que ça nous mène nulle part et qu'on est juste en train de perdre un peu notre temps, mais... voyons voir. Ici. J'aimerais aller là. Je ne peux pas. Bon. Ouais, j'ai que les deux là. Bon, pas très bien, très heureux. Gros stuff. En plus, il n'y a pas d'abri à côté, donc je me demande à quoi ça sert. Enfin, si on peut vraiment les utiliser ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, on a certaines marches à faire et je n'ai plus de flash. Donc il va falloir courir en mode... à la mano, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait sans le pouvoir de courir lorsqu'on est en ville, sérieusement? Ce serait la fin du monde. En plus, on a pris le fait de pouvoir sprinter plus vite ou plus longtemps, je sais plus trop. Enfin, tout ce qui permet d'avoir une locomotion un peu plus rapide, on l'a pris. C'est quand même incroyable de devoir faire des trajets à ce point. Au moins, on voit la ville qui s'éveille, hein, c'est sympathique. Et le pire, c'est que je sais que ça sert à rien. Parce qu'avec Arthur, je me souviens pas avoir vu Sally dans le quartier des jardins. Et je me souviens avoir eu la demande de l'huile de foie de morue, alors qu'avec Arthur, justement, on a fait plein de quêtes pour pouvoir aller voir Sally et s'excuser. C'est à ce moment-là qu'elle nous a dit oui, ok pour les papiers, mais va me chercher l'huile de foie de morue, j'en ai besoin. Donc, à moins d'une incohérence purement narrative, nous sommes en train de faire un trajet de plus de 1 km pour rien. Par contre, j'espère qu'on pourra utiliser la trappe une fois arrivé, pour revenir.
Ce sera quand même plus sympathique. Alors, hop, je vais passer par là parce que j'ai peur de prendre une mauvaise drogue. Petit sunshine. Voilà. Allez, prochain point dans 500 mètres. N'oublie pas de changer de tenue. On va prendre le costume déchiré. Très important. Pour éviter que tout le monde nous en veuille. D'avoir de la thune, ou du moins un beau costume. Parce que c'est pas parce qu'on a un beau costume qu'on a forcément de la thune à côté. Comme d'habitude, hein, on chope des plantes quand c'est sur le chemin, mais je vais pas faire des détours immenses. Pour choper des trucs genre là. Bon. Je vais faire un détour immense. Mais on va pas faire des détours immenses à chaque fois, hein, vous êtes prévenus. On a d'autres chats à fouetter. Oh, Mrs. Marley. I warned her against taking vanilla and chocolate together. Mm. You can lose your balance. Quoi? Pardon. Ok. Me faire des frayeurs comme ça. Fouiller le corps de Madame Marley. Il n'y a pas de récompense, donc ça c'est encore une quête qui va donner d'autres quêtes. Pas pour le moment. On est sur la quête principale. Ok. Faut que j'aille là-dedans? Oh, même pas. Oula. On se souvient qu'on a pris du miel. Que ce n'était pas aisé. Genre, il y a Arthur ici, donc il y a une scène qu'on n'a jamais fait. Ou dont je me souviens absolument pas. On va voir. I'm sorry. For the past 14 years, I've sort of thought about what I'd say if I ever ran into you again. But being a complete jealous arse about the General was not really part of the plan. Sir Robert's a client. Oh, good. I mean... I don't go around having sex with all my clients. No, no. Of course not. I just... I could ask him. He likes to feel important. Even after all those awful things I said? We used to be Arthur and Sally. The two musketeers. Remember? Did you really come here just to offer me a letter of transit? Or did you want something? I thought we could help each other. All right. What do you want? I used to know I could trust you about anything. Of course you can trust me. What is it you want? It's going to sound stupid, but a bottle of cod liver oil. A bottle of cod liver oil? Like your mum used to torment you with. What if I told you it was sort of a souvenir? Why on earth would you want to remember your mum? I don't know. I keep hoping I'll remember something that'll make it all better. Like maybe it was an accident and she didn't mean to poison the soup. You know how joy fucks up your memories. Look, if it's too much to ask... I suppose it would be too much to expect. Don't worry, Arthur. I will ask my friend the General for a rotten scrap of paper just for old time's sake. Look. It's not exactly a souvenir. Things have got a little more complicated than usual. I'm sorry I fucked everything up. I wanted to die, you know. I thought about it. But I couldn't. Not after... After what your mum did? What my mum did. Look, I'll get it for you. The cod liver oil. I missed you so. I'm sorry,
Oh, I shouldn't have done that. I'll get you that letter. I have to go. I'm sorry. I'm really, really. It just came out. Go, get you that bottle. Meet you back here sometime. I'll let you know when I've got it. I guess I've got to see the general now. Won't that be fun? C'est vrai qu'il faut qu'on aille chercher la lettre en l'occurrence. Bon, du coup, c'était à peu près les mêmes dialogues. À peu près. Mais c'est pas la même scène. Donc on est sur une inconsistance. Bon, pourquoi pas. Can't expect me to wear that. Since when do you care about fashion? I thought that was only for silly girls. For God's sake, gingham. I look like Hansel and Gretel. You've been looking a bit too provocative. Provocative? I don't even wear a bra yet. Maybe you should. You don't want men to get the wrong idea about you. First, I'm not doing enough to get a man. Now I'm trying too hard. Just wear the dress, will you? It'll keep away the wrong sort of attention. Très bien. Alors, il faut que nous allions visiter le général. Où est le général? Visiter le camp de commémoration de la victoire. Dites donc. D'abord, on va aller là. J'aimerais savoir si oui ou non je peux accéder à cette trappe. Surtout s'il faut que je... Ah non, attendez, c'est le mauvais symbole. Où est le symbole? Qu'est-ce qui se passe avec ce symbole encore? Le symbole ne marche pas, énorme. Très content. Faisons comme ça. Surtout s'il faut que je revienne ici par la suite. Ça peut m'éviter de me taper 1,2 km à chaque fois que je dois filer un truc à Arthur. Ce serait sympathique quand même.